n'a rien perdu de son sens du but. Mais c'est bien sous la casquette d'entraîneur que Steve Savidan arrive au FCBA. Une première expérience en tant que numéro 1 sur le banc que l'ex-international tricolore entamé ce vendredi 3 août avec un premier entraînement au complexe sportif Champs-Cigales de Gujan-Mestras. L'occasion pour Savigol de mettre son groupe au travail et de lancer une saison que les Maritimes débuteront en Régional 1. Ce soir, reprise de la saison avec 90-95% de l'effectif et voilà, bonne humeur, on essaye d'apprendre à se connaître, donc week-end d'intégration et puis d'avoir les premières sensations, même si on ne portera pas de jugement ce week-end. On a toute la préparation, tout le mois d'août pour apprendre à se connaître. Et puis on est dans un objectif commun avec un grand effectif en nombre et en qualité. Donc on va s'atteler à travailler dès la semaine prochaine. Pour l'instant, il est bien trop tôt pour parler d'objectifs. Pour l'instant, on a toute la préparation pour se préparer au mieux et pour gagner le maximum de matchs possible. Après, une saison est très longue. La somme des détails est la somme de la réussite. Donc, essayer d'amener le maximum de détails et puis de corriger au maximum pour la apporter le plus possible, qu'on s'apporte le maximum de victoires. Je ne différencie pas les attaquants que des défenseurs. Bien sûr, j'aurai un regard un peu plus appuyé puisque c'est un poste que je connais. Mais voilà, ils peuvent m'apporter aussi dans la compréhension, dans une perception que je ne connais pas ou que je n'avais pas vue. Donc on est là pour apprendre aussi chacun de notre côté. Ça fait quelques mois, semaines déjà que je suis ici. Donc j'ai vraiment hâte que ça commence. Et j'avais hâte que ça commence. Voilà. Donc là, on était avec les deux équipes, la première et la réserve. Et après, on a scindé le groupe en deux. Le coach nous a dit un petit peu ce qu'il attendait de nous cette saison. Et voilà, après, on est parti à l'entraînement. On a couru pas mal. Moi, personnellement, je le connaissais déjà parce que j'étais en sélection Nouvelle-Aquitaine avec lui l'année dernière. Mais sinon, très bonne première séance. On a bien travaillé, je pense. Si on a fait la prépa, ça va. Si on ne l'a pas fait, ben, on a mal aux jambes. Mais bon, sinon, ouais. Moi, j'ai une bonne première approche. En tout cas, il y a une bonne ambiance. Et on va partir en stage demain. Et espérons que ça se passe bien, mais il n'y a pas de raison. Présentation du nouveau staff, revue d'effectifs, tests physiques et jeux techniques. Le programme était chargé pour les seniors qui poursuivront leur préparation durant tout le mois d'août, avant de débuter leur saison le 8 septembre au stade Jean-Brousse face au FC Tartas. Avec forcément dans un coin de la tête, la montée en National 3 dès la saison prochaine.